Dr Nejat Boukharissi, professeur de radiologie formé au Maroc. J'ai intégré l'imagerie par résonance magnétique à Nouakchott lors de l'acquisition de la première, du premier appareil dans le secteur public de la Mauritanie. C'était en mars 2010. Grâce à cette acquisition, nous avons pu répondre à la demande des patients et aux attentes des confrères spécialistes qui auparavant étaient obligés d'envoyer leurs patients dans les pays voisins de la Mauritanie. Cette expérience nous a permis d'examiner toutes les régions que l'imagerie par résonance magnétique explore. Elle nous a permis de répondre à la demande des patients mauritaniens, en particulier ceux qui étaient nécessiteux, dans la mesure où l'examen, le coût de l'examen est de 20 000 ougia, ce qui représente à peu près le quart de ce que est le prix de cet examen dans les pays d'Afrique, mais également d'Europe. Cet effort a été décidé par les instances gouvernementales et grâce à cette décision, nous avons pu explorer en moyenne au début 2000 patients par an et nous sommes arrivés au bout de 3 à 4 ans jusqu'à avoir 2500 examens par année. La Mauritanie a installé une faculté de médecine nationale qui a drainé des étudiants qui ont des stages d'imagerie médicale et en particulier d'IRM. Je suis ici à un stage de radiologie, précisément à l'IRM. Notre stage nous apporte plusieurs informations qui sont intéressantes. On voit les images de près, il y en a des leçons d'anatomie, des rappels anatomiques intéressants. On voit les images pathologiques, c'est très intéressant. Marie Gata Diagana, je suis un étudiant à la faculté de médecine de Nouakchott ici. Actuellement, je suis en stage à la service des radios où j'ai fait l'IRM, service des radios de l'IRM. Nous connaissons le professeur Nejat Boukharissi depuis plus de 10 ans maintenant, depuis l'ouverture de l'IRM à l'hôpital national. Nous pouvons témoigner de l'accompagnement de proximité qu'elle offre aux étudiants en médecine, qu'elle encadre, puisque les étudiants que nous encadrons nous rapportent l'encadrement dont ils bénéficient quand ils sont en stage au service d'imagerie médicale de l'hôpital national, mais aussi depuis la mise en place du staff hebdomadaire le vendredi de neurologie, neuroimagerie et neurochirurgie au centre hospitalier des spécialités sous la responsabilité du professeur Diagana Mohamadou. Elle nous apporte des éclaircissements et des précisions très estimables qui nous permettent d'avancer dans la démarche diagnostique des patients qui viennent au staff. Voilà le témoignage que je voulais faire en toute sincérité. J'ai connu Mme Boukharissi au niveau de l'hôpital national il y a quelques années. Donc son apport scientifique, à mon avis, a permis quand même de relever la qualité du plateau technique local par son expérience qui est longue et ses compétences qui sont très solides,
qui lui ont permis de participer activement à la, non seulement à la prise en charge des malades, mais aussi à l'encadrement des étudiants et des jeunes médecins. C'est quelqu'un qui a de grandes valeurs, de grandes qualités humaines, qui lui ont permis d'intégrer très facilement la société mauritanienne et qui lui ont permis en fait de faire partie intégrante du staff médical local et d'être extrêmement aimé, apprécié par la société de façon générale. Il nous a accompagné dans la thèse d'encadrement des étudiants. Donc chaque fois qu'on a une thèse sur laquelle on a besoin d'imagerie, il nous a accompagné dans les thèses, aussi bien dans les interprétations, dans la conception, hein, mais également parfois dans le jugement des thèses. Donc il joue non seulement un rôle central sur le plan diagnostique, donc en nous accompagnant dans nos diagnostics, mais également un soutien par rapport à la formation de nos étudiants. Bon, le staff, vraiment, c'est le clou. Et chaque fois que le professeur Boukrissi n'est pas là, on est obligé de la rendre, pratiquement obligé. Et tant qu'elle n'est pas là, on n'est pas à l'aise. Je suis par ailleurs mère de famille et mon arrivée en Mauritanie a été une expérience de découverte puisque nous avons beaucoup de points en commun entre les Marocains et les Mauritaniens dans nos traditions, dans notre culture et dans notre également religion. Et effectivement, j'ai été très chaleureusement accueillie. J'ai été impressionnée par, en particulier, la place de la femme dans la société, dans la famille en Mauritanie.